Bonjour! Alors, quelle est la différence entre une voiture et une paire de lunettes? Bon, la différence me paraît assez évidente, mais au-delà de ça, on réfléchit de la même manière quand on achète une voiture qu'une paire de lunettes. Enfin, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est pas ce que vous faites dans la plupart du temps ou ce que les opticiens vous font faire. Je m'explique. Si vous êtes artisan, quand vous achetez une voiture, vous avez certainement plus besoin d'une camionnette. Pour des lunettes, c'est la même chose. Vous n'allez pas acheter une Porsche si vous n'en avez pas ses besoins. De la même manière que si vous avez une famille nombreuse, vous n'allez pas acheter une Clio. Vous avez besoin d'un plus grand véhicule. Et c'est exactement ce qu'on fait ici chez Atoll à Istres, c'est-à-dire que on vous questionne, on vous demande quelles sont vos habitudes, etc., afin de déterminer le meilleur verre pour vous. Pas le meilleur verre, ça sert à rien d'avoir une Rolls si on n'en a pas besoin, ni une Porsche, hein, on vient de le voir, mais le meilleur verre par rapport à vos besoins. Vos besoins sont complètement différents de ceux de vos voisins, même de votre famille, et c'est important de pouvoir bien les déterminer afin de vous proposer le meilleur verre. La plupart du temps, on vous demande la mutuelle et on essaye de vous coller le plus cher. Non, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut vraiment prendre en considération énormément de paramètres sur votre mode de vie, sur vos façons de travailler, vos loisirs, et tout ça permettra de déterminer le verre le plus approprié pour vous. C'est ça qui est important, c'est pour vous. Et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt chez Atoll à Istres.